Oui, tout à fait. On a vu dans tous les matchs de coupe que tous les gros ont eu des problèmes. Toutes les équipes de première division, la plupart sont passées, mais je pense tous des problèmes contre ces équipes qui, lors de cette coupe, montrent que, premièrement, ils jouent leur va-tout et montrent qu'ils ont beaucoup de qualité. Et voilà, on a réussi à passer, malgré que ce ne fut pas un match facile. Je pense que, en plus du fait que ce soit le plus important, j'ai quand même pas vu au niveau de mes joueurs un défaut de mentalité. Donc voilà, on passe le tour de coupe, on jouera le prochain contre la Gantoise et on passe au championnat. Bah oui, je pense que de toute façon, justement, non seulement les matchs de coupe, les matchs amicaux, mais aussi les matchs de championnat, à chaque match ses enseignements et on tire toujours des enseignements, qu'ils soient positifs, négatifs, on voit ce qui manque, on voit ce qui a été, on voit ce qui va de mieux en mieux. Et voilà, chaque match est justement un enseignement et c'est pour ça que le football est le football et que chaque équipe évolue. Je pense que tous les joueurs de nos jours, en tout cas les joueurs de haut niveau, sont prêts à jouer tous les 3, tous les 4 jours. Surtout dans notre compétition à nous, c'est pas toute la saison, mais c'est vraiment de manière ponctuelle. Donc voilà, on est prêt à jouer ce match-là et je sais pas si vraiment le jour de repos en plus sera un avantage, mais en tout cas, nous, on sera reposés et on fera le maximum. De toute façon, je pense qu'on a tort d'opposer le fait d'être bien organisé, le fait d'avoir des principes de jeu offensifs, etc. Je pense que les deux vont avec. Je pense qu'on ne doit pas faire un choix. On doit pouvoir à la fois pouvoir jouer au football et jouer voilà, des bonnes reconversions et aussi de la position et être solide défensivement et être organisé. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Et qu'il ne faut pas les opposer. Donc voilà. C'est clair que le Standard à domicile fait des bons matchs et marque des buts. Ce sera à nous d'être bons dans tous les compartiments du jeu pour pouvoir rivaliser avec le Standard et faire un résultat. Bah écoutez, on sait bien que c'est un club qui à domicile est poussé par son public. Et voilà, et ils essayent de faire en sorte dès le départ de pouvoir justement prendre le public avec et de mettre une pression sur l'adversaire. En plus de ça, cette année en particulier, c'est une équipe qui est bien organisée et qui offensivement a beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Vous l'avez dit, mettre beaucoup de buts à domicile. Donc voilà, il faudra tenir compte de tout ça et surtout oublier tout ça au moment de jouer le match et faire le maximum pour pouvoir encore une fois avoir un résultat.